Vous voyez dans le sens ce qu'elle nous dit là, la nature, vous voyez ce que nous dit nos pieds de vigne? Elles nous disent bah forcément, Cabernet Sauvignon, plus résistant que Merlot. Ben pourquoi? Ben parce qu'il a du tanin. Ces tanins, ils sont fabriqués par quoi? Par la sève élaborée. Ça coûte quoi de fabriquer des tanins? Beaucoup d'énergie. Elle est stockée où l'énergie? Dans les réserves. J'ai intérêt à avoir des réserves. Plus j'ai un pied avec des réserves, plus j'ai un pied capable de me défendre contre les agressions extérieures, dont ces champignons. Soyez-en convaincus. Et vous allez voir que tout va tourner autour de ces questions de réserves-là. Je suis en train de vous tordre en vous montrant que ben finalement l'ESCA, vous allez voir que c'est pas tant un problème en fait, que le problème c'est nos coups de sécateur, c'est qu'on taille mal parce qu'on n'a pas notion de cet allongement inéluctable de la plante. Elle est obligée de s'allonger. Plus résistant que d'autres, bien sûr. Ben, le Merlot fait moins de tanin que le Cabernet. Bon, vous allez me dire, le Cabernet est hyper sensible. Mais le Cabernet, planté dans quelle zone? Le Cabernet planté dans une zone où il pousse énormément ou planté dans une grave où c'est sec? Ah tiens, on n'a pas le même comportement. Hein? Il crève aussi, c'est sûr. C'est sûr. Après des paramètres, il y en a plein. Hein? Des paramètres, il y en a plein. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des zones où ça favorise la chose. Une plante comme le Sauvignon qui pousse beaucoup, finalement, Sauvignon, c'est comme si on compare le Sauvignon, c'est aux arbres, c'est un peuplier quoi. Il fait du bois qui pourrit extrêmement vite. Il fait du gros bois. Il a une durée de vie plus faible. D'ailleurs, si on regarde, il est souple. Il fait des grands bois très longs, très souples. Et finalement, on retrouve ça dans le vin aussi. Hein. Il est aromatique, il est rond, il est souple, il est long. Enfin voilà, enfin, c'est ça le Sauvignon. La manière dont il pousse parle pour lui, hein, sur ce qu'il est et comment il pousse. Et donc comme il fait beaucoup d'allongements, comme il fait des entre-nœuds très longs, on a tendance à allonger. On a tendance à avoir des problèmes d'allongement. Et comme il pousse beaucoup, on a tendance souvent à vouloir revenir un peu plus à la base. Donc non seulement c'est une plante peu résistante, mais en plus de ça, une plante qu'on mutile très sévèrement. Ça va dans ce sens-là, quoi. Ça favorise cette mortalité-là. On va voir qu'il y a des zones où il y a des zones qui meurent plus rapidement que d'autres. Hein. Il y a des fois, on me dit, oui, mais tu vois, regarde, là, il y a 10 pieds qui sont morts d'affilée. C'est bien qu'il y a un truc qui est contagieux, quoi. Mais c'est en fait, c'est compliqué de dire ça. C'est la tractoriose qui, des fois, est contagieuse. Hein. Imaginez, vous imaginez, vous êtes avec votre intercept, tout d'un coup vous avez le téléphone qui sonne, et pam, vous tapez un cep, deux cep, trois cep, quatre cep, hop, vous mettez les pieds sur l'embrayage. Ben, ça c'est peut-être autant probable qu'un champignon qui saute de pied en pied. Quoi. Hein? Vous imaginez que ça vous arrive au moins deux, trois fois par an de taper les ceps comme ça, là, et que vous passez comme ça pendant 20 ans, 30 ans. Donc en fait, au bout d'un moment, il y en a partout. Hein, des endroits où vous avez tapé les ceps avec l'intercept. Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Et il faut se garder d'en trouver une qui soit valable partout. Certaines fois, ça va être les champignons. Certaines fois. Mais elles sont bien trop rares ces fois dans ce que moi j'observe. J'ai disséqué des centaines de pieds. Hein. Quasiment systématiquement, on trouve des problèmes de circulation de sève. Dès qu'on a un pied mort d'apoplexie, on ouvre, on regarde et on dit « Ah ben ouais, mais là, il y a 15 ans, la plaie qui a été faite là il y a 15 ans, on est reparti sur un sarment qui a coincé le flux de sève et donc ça ne circule pas, ça n'allait pas. » Mais moi, je ne vois pas de mortalité d'apoplexie liée au greffage. Je vois des mortalités précoces. Je vois hein, tout un tas de pieds qui meurent dans les 3-4 premières années. Mais après, une fois que ça circule et je ne vois pas d'apoplexie liée au greffage. Je vois des apoplexies liées à des coups d'outils. Je vois des apoplexies liées à des grosses plaies. Mais au greffage, sincèrement, moi, j'ai arrêté de discriminer la greffe oméga. C'est-à-dire que la greffe oméga, elle n'est pas très bonne. Mais quand ça passe, ça passe. La sève, d'accord? Elle peut passer à moitié, et c'est là que dans les 4-5 ans, ça se passe mal, mais quand elle passe des deux côtés, ben les flux sont de plus en plus continus, elle grossit en diamètre, mais ça circule. On n'a pas de problème avec ça. La question, c'est est-ce que la dureté du bois a une influence sur la dégradation du bois par les champignons? Ou l'apoplexie? Ou de résistance?
En fait, la dureté du bois, elle a une influence certaine sur la vitesse de dégradation par les champignons de la matière du bois. D'accord ? Donc, plus le bois il est dense et dur, plus il contient de tanins, en fait, plus exactement. C'est pas qu'une question de densité, c'est une question de quoi il est constitué. Plus il contient de tanins, moins il a poussé vite. Plus il contient de tanins, moins les champignons vont pouvoir dégrader rapidement le bois. Après, on ne peut pas faire de lien direct entre ça et la mortalité liée à l'apoplexie. Puisqu'en fait, une plante qui pousse rapidement, elle a aussi la capacité à faire beaucoup plus de vaisseaux et à recouvrir plus. Donc en fait, c'est compliqué. On ne peut pas en tirer quelque chose de binaire. On est obligé d'observer, d'essayer de relier toutes ces choses-là. Et j'aurais tendance à dire quand même que ça va dans ce sens-là, que ça va dans ce sens-là. Plus une plante est tannique et plus le bois il est dense, moins il y a de problèmes de maladie de bois, globalement. Seulement, c'est ce qui ne s'observe pas trop sur le Cabernet Sauvignon, parce que le Cabernet Sauvignon, il y a d'autres paramètres qui font, dans la manière qu'on le taille et dans les endroits où on le plante, qui augmentent cette problématique-là.